Là, c'est j'ai installé la VMC, donc qui est du coup dans la chambre, donc bah, pas le choix, de toute façon il n'y a aucun autre endroit pour la mettre. Donc du coup là il va falloir que je trouve une solution pour l'isoler phoniquement au maximum. Donc évidemment bon, j'ai mis des gaines isolées déjà pour réduire le bruit. Bon là c'est pas trop pour la condensation puisque de toute façon c'est dans un espace chauffé. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ai déjà pris donc la VMC, donc c'est Migrogir. Migrogir donc Renouvelle R2, qui est annoncé à moins de 37 décibels. Alors comment on peut vérifier que c'est moins 37 décibels, à quelle distance, bon voilà. Donc là, moi ce que je vais tester, c'est directement en vrai. Donc là, donc comme vous pouvez le voir, si je me tais, on est à 20. Donc là, je vais l'allumer. Donc là, voilà. Donc là, elle est en première vitesse. Donc à peine 30 décibels, mais je suis à 2 ou 3 mètres. Donc après, je mesurerai tout près. Et donc là, je la mets en grande vitesse. Donc là, on est à 40 décibels à 3 mètres. Bon, évidemment, elle n'est pas dans le grenier là. Donc voilà, elle est juste ici. Donc cette fois-ci, je me mets juste à côté. Comme si je dormais. Et là donc je suis à 55. Donc voilà, donc là juste à côté, si on dormait à côté, en petite vitesse. Oui, on tourne à 40, 45. Et si je le mets contre, donc si je le mets contre, on est à 45. Donc vous vous doutez bien que si je le laisse comme ça, impossible de dormir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais isoler. Donc souvent on a la résonance du plancher, quand c'est posé du plancher, parce que souvent on la suspend. Là, elle n'est pas prévue pour être suspendue, celle-ci, mais être posée sur l'isolant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser sur un isolant de 75 mm pour enlever la résonance et je vais remesurer. Si, voir combien je réduis à chaque fois. Après, évidemment, de toute façon, je ferai de toute façon un caisson pour fermer, pour que ça soit propre, qui sera complètement isolé, donc au minimum en 75, voire plus. Donc tout ça, je vais vous le filmer et comme ça, vous pourrez, je vous filme entre deux, vous pourrez avoir une idée de ce qu'il faut comme isolation pour assonoriser la VMC. C'est vrai que nous, dans ce genre d'habitation, les tiny house, tout ça, la VMC est toujours proche de l'endroit où on dort et c'est souvent un problème. Donc on va voir ça, je reprends après. Voilà, donc là j'ai juste mis donc un panneau de 75 mm de laine de roche en dessous et on va déjà voir la différence. Et on va dire on a peut-être descendu d'un décibel ou deux décibels maxi. Je crois qu'on était à 42 si je dis pas de bêtises. Donc là on est entre 40 et 41. Et tout à l'heure on était entre 42 et 43 si je dis pas de bêtises. Donc à vérifier sur la vidéo parce que moi je me rappelle plus. Donc là, on est redescendu à, donc on va dire 41, comme ça, je vais noter. On est à 41 maintenant, donc juste avec le panneau. Donc là, je vais redécouper un panneau pour mettre comme ça, et après un autre pour mettre comme ça. Je vais coller tout à la mousse à la fin. Et pour que ça soit le plus étanche possible. Alors voilà, j'ai fait donc un petit caisson en laine de roche pour l'instant. Donc on est redescendu à
35. On va dire, allez, 35 décibels. Donc 35 décibels, c'est encore beaucoup. Donc il faut encore réduire. Donc en sachant que de toute façon j'améliorerai puisque en finition je vais faire une petite finition frisette. Donc de toute façon ça sera toujours encore mieux. Mais pour moi c'est encore trop bruyant, encore trop bruyant. Bon, surtout qu'il y aura aussi le tuyau qui va disparaître. Hein. Donc tout va disparaître, va être calfeutré, parce qu'il y a quand même un petit peu de bruit qui se propage par le tuyau. Donc là, je vais remettre une deuxième couche. Donc à l'intérieur, je vais encore essayer de remettre encore un peu pour essayer de gratter encore 5 décibels. Alors cette fois-ci, donc là j'ai deux couches, j'ai mis de la mousse pour calfeutrer au maximum. Et là on descend à 32, 33. Donc là on a gagné pratiquement 10 décibels par rapport au début. Donc là, il reste encore, donc je vais faire une ossature, une petite ossature en latte avec la frisette. Et je vais encore essayer de lui caser 45 mm de laine de roche pour encore en plus calfeutrer. En plus. Alors, donc du coup, là, j'ai fermé le caisson, c'est bon. Donc là, ouais, je l'ai fermé avec des vis, hein, donc du coup, pas le choix, puisque de toute façon, il faut que ça reste possible de l'ouvrir. Donc là, je fais la même chose. Donc là, j'avais fermé le côté. Je mets donc une couche de 75 mm tout le long du tuyau, donc en plus de son isolation. Après, je vais remettre une deuxième couche. Et dans le cadre, je remets encore 45. Donc là, c'est pareil, ça fera 150, 195 plus l'épaisseur. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc la deuxième couche, je la croise dans l'autre sens, comme ça comblera, donc cette fois-ci pas les ponts thermiques, mais les ponts, je sais pas comment on dit, les ponts sonores, on va dire. Donc déjà rien que là, avec les deux couches, je sens la différence, et là qu'on se rend compte que les tuyaux, même isolés, ils font encore beaucoup de bruit. Donc voilà, donc j'ai mis donc les deux couches de 75, mais je vois qu'il me reste encore de la place, donc je vais caser un peu toutes les chutes qui me restent. En plus, ça fera pas de tort de toute façon. Et donc là, j'ai fait un petit joint de mousse, puisque là, je peux pas mettre d'isolant. Et là, je pense qu'avec ça, je pense qu'au moins, de toute façon, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc j'ai réussi à caser une troisième couche de 75, donc là on est à 225. Donc là, puis j'ai passé toutes mes chutes, donc comme ça m'a débarrassé. Et là je suis impeccable, pour pas Alors, faire mieux. regardez, t'as combien on est? Donc, on peut dire que le pari est réussi. On est entre 28 et 30, voire même ça descend à 25. Et en plus, ce que je me rends compte, c'est surtout, comme on est dans la même pièce, c'est surtout la sortie qu'on entend, parce que le moteur, lui, on n'entend plus du tout, en fait. Même quand je mets mon oreille contre, je n'entends rien du tout. Donc, c'est là qu'on est un petit peu plus fort. Même si c'est pas énorme. Donc voilà. Donc c'est pratiquement fini. Moi, juste la lame là de démarrage de côté à finir, la petite finition là devant. Et sinon, voilà. Donc qu'est-ce que ça donne fini? C'est pas mal. En plus, ça sert de rangement. Donc on a fait d'un inconvénient à un avantage. Donc il reste plus qu'à mettre un petit renfort au milieu et ça fera du rangement, ce qui est super important dans ce genre d'habitation, d'avoir un maximum de rangement.